Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo découverte dans laquelle on va ouvrir une enceinte de la marque Gravastar. Alors c'est un univers complet que vous allez découvrir aujourd'hui avec moi les amis, et je vais découvrir avec vous l'enceinte Mars Pro de chez Gravastar avec un design très spécial, et on va voir si elle est bien pour 230€. Parce que oui, elle coûte 230€, on nous annonce beaucoup de basses, mais vous savez, quand j'utilise des produits ou que j'ouvre des produits, j'ai toujours un œil de marketing derrière et je regarde comment ça se fait qu'ils vendent un produit plus cher que d'autres. Et là, en l'occurrence, on est sur un énorme branding. La marque un compte Instagram avec 65 000 abonnés qui est très actif. Pour vous résumer en quelques mots, la marque Gravastar, c'est une marque qui a pour but d'avoir un univers futuriste et cyberpunk tout en fusionnant la science-fiction et le hi-fi. Au lieu d'avoir un gros bloc à poser sur son setup, là on va avoir un objet qui peut se fondre dans votre décor. Donc écoutez, c'est parti pour l'unboxing et j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite au passage à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner, et au moins vous ne louperez aucune des nouvelles vidéos. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et bien donc c'est parti pour ouvrir le colis les amis. Et je vais être assez attentif aux détails qu'ils auront pour présenter le produit, pour le ranger et également pour le vendre, parce que évidemment ils vendent beaucoup de branding. C'est un style futuriste qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est un univers complet. C'est un petit peu le contraire que ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. D'habitude ce que je fais, c'est que je prends des produits, je les ouvre, et ce sont des produits de plus en plus, on va dire, spécifiques. Dernièrement j'ai une box, un écran ultra large 4K, donc c'est pour vous dire à quel point ça peut changer. Donc on ouvre. Ah mince, j'ai commencé à arracher. Ah, je vois des détails qui sont incroyables. Alors oui, on est sur du 230€ le colis. Ok, donc là voilà, j'en étais sûr qu'ils allaient un petit peu plus loin que simplement le packaging, parce que le packaging il est à l'image de leur marque avec leur univers. Mais on a également ça. Alors ça, c'est du jamais vu les gars, ça a été carrément personnalisé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La personnalisation est dingue. Ah, l'enceinte est juste là, je la pensais un petit peu moins grosse. Donc on a eu ça sur le dessus, alors tout est bien protégé, mais ce que je remarque c'est que du coup il y a une couleur sur le package et il y a aussi leur logo. Et là les amis, on a le reste, alors tout est bien protégé et à ce prix là, heureusement. Et là du coup, je vais prendre tout ça. Ok, on nous annonce 15 heures d'écoute, ce qui est énorme, et de très bonnes basses. Alors j'espère être surpris sur les basses et ne pas être déçu, parce que c'est vrai que pour 230€, moi je regarde également si le son est bon ou pas. Après c'est vrai que du coup ça fait un peu gros quand même. Et du coup la boîte était juste comme ça, d'accord. Bon c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et puis franchement c'est le genre de choses que j'aime voir et qui fonctionne réellement pour intégrer un client dans un univers complet, et puis pour le satisfaire jusqu'au bout, mais pas pendant l'achat, aussi quand il va ouvrir son colis, avoir un environnement complet. Et là bah, c'est le cas avec les histoires que je vais vous lire durant la cinématique, et également le packaging. Voilà, tout est bien décoré. Et pour l'instant je suis très satisfait. Je ressens quand même qu'il y a une grosse personnalisation et quelque chose que j'aurais peut-être pas retrouvé chez JBL ou une autre marque qui fait des enceintes. Et là on a quelque chose du coup de très bien brandé. Et le branding aujourd'hui les gars, surtout avec une marque comme celle-ci, voilà, eux ils sont focus sur le branding. Et aussi d'après ce que j'ai vu sur la qualité du son et des basses. Alors c'est ce que je vais voir. J'ai très hâte de voir tout ça les gars. Alors ok, on a un design du coup assez marrant. Là ce sera les basses et là il y aura du coup l'enceinte. Alors j'ai pu lire qu'elle était stéréo, enfin du moins qu'il y avait un double haut-parleur. J'ai également vu qu'il y avait des basses puissantes comme j'arrête pas de vous répéter, mais aussi 6 lumières RVB. Alors j'ai hâte de voir ça. Alors comment on fait? On va cliquer ici, je ne sais pas si c'est une pression ou... Attendez, on va rester un petit peu appuyé et on va... Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, bah, écoutez, ça change de la voix anglaise qu'on a l'habitude d'entendre quand on allume une enceinte, ou un petit bruit un petit peu chiant. Là c'est complètement personnalisé et c'est assez incroyable. Ok, là je suis connecté et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je vais faire un test approfondi après évidemment, parce qu'avant j'ai l'habitude de faire une cinématique avant que je fasse le test de l'objet que je présente. Oh déjà, les gars, j'ai des choses à dire là. Rien qu'en entendant ça, j'ai des choses à dire. J'ai pas envie de vous spoiler de plus, les gars. Ok, ça va être incroyable. Écoutez, on est parti pour la cinématique et ensuite on va tester tout ça, mais je pense qu'on va être complètement conquis. Et on est donc parti pour la cinématique de l'enceinte Gravastar Mars Pro. Une enceinte Bluetooth 5.0 avec double haut-parleur et des basses très puissantes. On aura 6 lumières RVB. Mars Pro est un guerrier né avec les basses les plus fortes et la force la plus puissante. Même s'il a traversé diverses guerres et batailles, il assume les tâches les plus difficiles et se battra pour ses objectifs jusqu'à la fin de son souffle. C'est comme ça qu'ils le vendent sur leur site internet et ça nous met complètement dans le contexte de l'univers qu'ils veulent recréer. Le tout pour 230€. J'ai hâte de tester tout ça. Et bien on a donc fait la cinématique et j'ai oublié de vous préciser que j'ai reçu du coup deux petits câbles. Un pour par exemple brancher ça à mon PC et l'autre pour recharger tout simplement.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer déjà les couleurs. J'ai trouvé comment on changeait. C'est assez simple et vous allez voir que bah du coup, on peut changer la couleur comme on veut selon son setup par exemple. Moi, je sais qu'avec le décor actuel, la meilleure couleur, ça reste quand même le orange, comme vous pouvez voir. Bref, maintenant, on va passer au test. Et de ce que j'ai entendu, même avec un tout petit niveau, on a quelque chose d'assez dingue. Donc écoutez, c'est parti pour mettre en play tout ça. Ok, donc pour l'instant j'ai pas un gros volume, mais de ce que j'ai compris on peut l'augmenter quand même. Donc je vais regarder. Ah non, ok, ça s'actualise. La lumière s'actualise selon comment on augmente. Donc, par exemple, si je mets au plus bas, bah voilà, là il y a qu'un petit trait d'allumé. Et si je mets un petit peu plus haut, bah voilà, ça augmente. Et c'est très rapide. C'est le Bluetooth 5.0, ça sans doute. Donc écoutez, on met ça un petit peu plus fort. D'accord, ok, ouais. Tout ok, ouais. Je serais par terre, j'aurais rien que des armées. Ouais. Dolce Gabbana Burberry, avec le magot, mon frère, je m'endors. T'as chiant pour une femme. J'ai des milliers, t'as le sous-poisson. Bon, évidemment, je suis choqué par les basses sont exceptionnelles. J'ai pas l'habitude d'entendre des basses aussi bien gérées. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer. Mais on peut réellement voir que derrière, c'est pas du pipeau et ça bouge réellement quand il y a quelque chose. Je vais vous montrer. Si je te shoot pas, face voilà. Au Tivoncho, forcément dors entre une bitch et ses deux têtes. Si je te shoot pas, face au Tivoncho, pour moi, c'est complètement validé. Jusqu'à là, c'est validé et c'est réellement bah, le genre d'enceinte que je voudrais pour écouter de la musique pendant que je suis sur mon ordinateur sans forcément avoir quelque chose d'énorme. Voilà, on le pose, ça s'intègre dans le décor, c'est plutôt pas mal et on a quelque chose bah, de très bonne qualité. Évidemment, pour moins cher, vous pourrez avoir et bah, quelque chose qui égale cette qualité-là, dans le sens où est-ce que vous n'aurez pas le design et le branding à payer. Bon écoutez, je valide totalement la qualité du son. On peut parler encore des heures des basses qui vibrent alors que le son est à peine mis. Je trouve ça dingue. Évidemment, si vous aimez pas l'univers, et bah ça sert à rien d'aller voir sur leur boutique parce qu'évidemment, ils ont que des produits comme ceci. Ou est-ce que ça rentre carrément dans un univers futuriste? Un mélange de science-fiction et d'hi-fi en fait, tout simplement, comme vous avez vu, des produits audio. En l'occurrence, ce produit-ci est complètement validé. Je le pensais d'ailleurs un petit peu plus petit, mais finalement, je me dis que plus petit, peut-être que les basses n'auraient pas été d'aussi bonne qualité, alors que là, c'est super bien géré. Écoutez, maintenant, on passe à la conclusion. Bon, écoutez, les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de l'enceinte Gravastar Pro? Laissez-moi vous dire que les basses, eh ben, elles sont pas survendues, elles sont bien vendues. Et pourquoi? Parce que on ressent tout simplement de très bonnes basses, comme expliqué, grâce au caisson juste derrière, juste ici. Ça change un petit peu d'habitude, parce que là, on rentre dans un univers entier, que j'ai pas l'habitude de voir généralement sur des produits un peu plus classiques. Cependant, c'est pas parce qu'on est rentré dans un univers que la qualité a été délaissée. Je dirais même au contraire. Ils ont bien réussi à lier les deux et je pense que c'est super important pour une marque comme celle-ci qui veut et bah, créer une communauté autour de tout ça. Et ça a bien marché parce que leur Instagram est à 65 000 abonnés. N'oublions pas qu'il y a 15 heures d'écoute avec cette enceinte d'autonomie, un double haut-parleur et 6 lumières RVB contrôlables avec le bouton juste ici. Il y a également l'indicateur de batterie sur le côté. Tout ça pour 230 €. Alors si vous avez bien aimé l'univers ou encore le produit, bah je vous invite à regarder en description, il y aura le lien du produit. Et même si vous n'êtes pas forcément plus intéressé que ça, je vous invite quand même à jeter un œil sur leur Instagram et leur site internet. Ça vaut le détour, c'est un univers qu'on connaît pas forcément, qui vont bien vendus. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.